Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Petite intervention sur un nid de frelons asiatiques à peu près à 5 mètres de haut. Je vais vous montrer. Vous voyez, juste tout à fait en haut là. Donc je vais placer l'échelle et ben, on va aller traiter ça. A de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Ah ben, ils sont juste à côté. On va essayer de te retourner tranquillement. Vous montrer ça. Et regardez ça. Ils sont déjà énervés. Traiter ça. Bon, vous voyez, il y a du monde. Regardez-moi tous les frelons. Le propriétaire, il est dans sa voiture et en train de regarder. En toute sécurité. Ok. Plusieurs attaques. On va regarder à l'intérieur du nid un peu. Regardez ça, il y a quelques larves encore. Hein. Regardez-moi tout ce qui vole. Bon voilà, c'est une petite vidéo toute simple. Vous montrer encore un nid de plus sous un Porsche. Vous voyez, bon, c'est pas trop dangereux. Hein. Les voitures sont juste là, c'est en hauteur. Mais bon, on sait jamais. Voilà, ça reste du frelon asiatique. Donc il faut traiter. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite intervention sur un nid de frelon asiatique. Encore très mal caché, très dangereux pour les gens. Allez, je vous montre ça. Regardez, on est au niveau de la porte d'entrée de la maison. Et juste ici, regardez, on le voit dans le buisson. Voici le nid de frelon asiatique. Rien d'un qui me suit, qui veut déjà passer sur YouTube. Attends, laisse-moi mettre la combinaison. Ah, il va avoir peur après de moi. Donc voilà, donc je vais m'habiller, préparer ça et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. On va aller voir ces petits nids de frelons. Allez, je vous montre où c'est. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez comment il est bien caché. Vous voyez la distance entre l'entrée et ici. Donc on va aller mettre un petit coup de poudre à l'ouverture principale. Regardez-moi la taille. Regardez-moi cette taille. Là, c'est presque un ballon de basket, mais un gros ballon de basket. Vous voyez ça? Mmh.
très dangereux, encore une fois, frelons asiatiques. Voilà, il faut s'habituer et surtout faire attention au va-et-vient qu'il peut avoir dans des arbustes ou n'importe quoi. Allez, on va essayer de faire un petit trou pour voir ça. Voilà. Regardez quand même le monde qu'il y a. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous pensez de ce nid. Est-ce que vous le trouvez mal placé ou pas du tout? Franchement, à côté de l'entrée. Donc là, les gens, ils ont interdiction de passer par là. Il faut qu'ils passent par le garage. Sinon, risque de piqûre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit message, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les amis.